Et je vais saluer tout le monde qui l'a souhaité. Comme nous connaissons, c'est un rendez-vous spécial de la première promotion, le Métis Sévère. Et nous connaissons que c'est une soirée qui est là pour nous capables de récolter des fonds pour Haïti, particulièrement pour un laboratoire médical qui est très important qu'a fait en Haïti et pour nous capables d'aider des jeunes universitaires qui sont capables d'aller dans la profession médicale là et sauver des vies humaines. Et nous remercions donc au nom du comité qui pratiquement mettait soirée ça à camper. C'est grâce à la présence nous que soirée ça est capable de réaliser. Pour tout le monde qui comprend moi, on applaudit pas parce que nous vivons une belle fête ça à soir. Encore une fois, je voulais remercier tous ceux qui sont présents ici ce soir. Vous savez que cette soirée est organisée par la première promotion de Métis Sévère 2001. C'est une soirée qui est organisée pour récolter des fonds pour l'université, mais particulièrement pour un projet universitaire, un projet de laboratoire médical qui va permettre à des jeunes universitaires en Haïti auront l'opportunité d'aider le pays et d'aider les patients à mieux comprendre leur santé et certainement au niveau universitaire. Donc encore une fois, nous vous remercions de votre présence ce soir et cette soirée ne serait pas possible sans votre présence. Donc encore une fois, merci. C'est un peu difficile là sans anglais parce que même pas en anglais la semaine, le week-end toujours prend off. I'll try. I would like to thank each and every one of you for being here tonight. As you know, this is the promotion of Métis Sévère 2001 who invited us tonight. They are putting together a fundraising for a university in Haiti. And thanks to your presence tonight, we'll be able to have funds for this medical laboratory. Thank you for being here tonight. André Adibo? Yes. Bon. Espagnol, là, Cyril, vous voulez la faire fête en Dominicani. Chinese, là, Cyril, vous voulez la faire en Chine. Of course, tout le pays, vous voulez pour l'autre occasion. We're going to get started. Et nous voulons commencer par la prière. Et dans le moment ça, nous avons invité le révérend pasteur Luxon, Napoléon, pour une prière d'ouverture. Please stand, everyone. Thank you. Prions le Seigneur. Ô notre Père, notre Dieu, nous te saluons ce soir avec notre reconnaissance, notre amour et notre action de grâce. Tu es le Dieu de la création, le Dieu de la vie, le Dieu qui nous aime tant et qui nous a fait don de son Fils, le Dieu qui a mis dans notre esprit la volonté, l'intelligence et l'amour. En ce soir où nous allons devant toi et accompagnés de nos amis, nos proches, organiser ce gala de retrouvailles des anciens étudiants de l'Université Lumière, nous sollicitons ta présence, ta grâce et ton onction. Nous te demandons, ô Père, d'ouvrir nos pensées afin que nous puissions contribuer avec notre esprit, notre argent, notre amour et notre volonté pour la réussite de cette soirée et pour l'avancement de l'Université Lumière qui œuvre en Haïti dans la préparation des cadres professionnels à tous les niveaux et qui sont au service de notre cher Haïti et au service du monde entier. Nous saluons cette initiative et particulièrement ces étudiants qui ont exprimé à travers ce gala leur sentiment d'appartenance envers l'Université Lumière. Encore une fois, que tout s'en fait pour ta gloire et pour ton honneur et pour notre édification. Nous te prions non en fonction de nos mérites personnels, mais ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui reviennent autorité, majesté et gloire dès maintenant et à tout jamais. Amen. On a invité Daniel Ulysse pour nous rejoindre nous et plus près de nous et pour traduction, bien pour mieux comprendre les idées qui vont être développées ce soir.
Je profite de l'occasion pour saluer la présence de Daniel. C'est un ami de longue date. On s'est rencontrés à New York et nous avons participé dans de très importantes activités pendant plusieurs années. Donc, heureux d'être sur le même podium, encore une fois, pour des actions positives. Donc, ceci dit, mesdames, messieurs, à ce moment précis, nous allons avoir le docteur Franz Bonner-Fils à ce micro. Et ça me permet même dit, avant même que les rejoignent, nous. Et c'est un médecin que j'ai rencontré depuis quelques mois, lorsque l'idée était venue de mettre sur pied cette soirée. Et il faut me dire que son monde qui pratiquement, ça fait moi-même la carrière, c'est son leadership et également et son courage et puis sa ténacité. Et ça, c'est le cas de le dire, parce que moi, mon côté, je suis tellement habitué avec coup de téléphone. Et docteur Bonner, il n'a pas réglé, il me dit, oh, ça passe là, ça va donc la parler. Et puis, avant de dormir, mon texte, quand même. Donc, je me dis, ça, c'est docteur Bonner. Donc, m'apprécier ça parce que lors d'organiser un événement de cette taille, il faut avoir définitivement un leader. Et je pensais qu'il fait preuve, lui. Et c'est ça qui expliquait, présente tout pour la soirée. Et puis, pratiquement, la réussite de cette soirée, nous avons dit bon ça. Donc, sans perdre le temps, nous invitons le docteur Bonner-Fils à nous rejoindre pour des mots d'ouverture. Bien, monsieur. L'objectif de l'événement de ce soir est de collecter des fonds pour la mise sur pied d'un laboratoire anatomique et physiologique de type 3D en Haïti. Le peu que nous tenons de faire en mettant sur pied ce laboratoire ne présente qu'un zeste de ce qu'il nous faut pour parfaire la formation des étudiants et contribuer à l'amélioration de l'enseignement en Haïti. Il est temps que nous nous mettons ensemble pour apporter du sourire et de l'espoir dans le cœur de chaque Haïtien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ce projet, que Dieu bénisse ce gala, que Dieu bénisse Haïti, car la délivrance de notre pays ne peut passer que par la diaspora, sans la prétention aucune et sans pédanterie. Et dans toute modeste, je vous dis mille fois merci d'être venu nous encourager. Mille fois merci et de m'avoir sagement écouté, tout en vous souhaitant de passer une soirée des plus agréables et surtout des plus inoubliables de votre vie. Merci et bienvenue à tous. The summary of what Dr. Bonner just said, all in all, he praises and thank God for this opportunity. And he believes something that is very dear to him, to put together a laboratory in Haiti. So he has chosen some very special people whom he believes will help in these projects. He talks about his wife and family and sleepless night, and also the situation in Haiti where there is no real medical institution. So there's no laboratories and the hospitals lacks everything. So we here in the United States, where he says at the end, the diaspora, those of us living in this country, are the hope and the future of Haiti. So all in all, one of the most important things for him is to build this laboratory, and he believes that you will. When I see individual like Dr. Moïse, Rudolph Moïse, Rudy Moïse, who I've known for many years, a philanthropist, a rare Haitian American. This man is a doctor and a lawyer, a pilot, U.S. Navy retired, so many qualifications, so many talents, and I know his heart is in the right place. When we look at Dr. Shirley Kodada, and a philanthropist, a physician, author, and so many other people who have been chosen to accompany the Haitian student, the medical student in this project. There are so many other people. Also, Dr. Bodler mentioned the students of the promotion, those who were in the school. Many of them are here this evening. So this is why we gather here together. And you will be reaching out to friends and people. And I believe he believes that through each and every one of us, he will achieve this goal by bringing together what Haiti needs. Now, I will add my two cents. This is my own.
When we look at the money, billions, I repeat, billions of dollars from the USAID and all those institutions coming to Haiti. The corruptions and what's going on in Haiti. This is why we need Haitian American who stand up to say no to corruption, to make sure the resources, Haitian American, there are so many doctors, nurses, medical professionals who can make a difference in the diaspora. We believe this evening from this, and with the support of God, we will be able to achieve this. We also have television here, people recording this event. So you are part of something great is going to happen. And you, those of you who are here this evening, Dr. Butler also gave a deadline by December. Very soon you will have an idea where we are in this project. All in all, this is basically what it's about. You come here to support a great cause, to build a medical laboratory in Haiti, and this is just the beginning. At Université Lumière, they have trained several doctors over the years, but now it's a different phase, and Dr. Butler didn't mention that, but one of the projects that the physician, the leaders like Dr. Moses, Dr. Kudada, and other doctor, Dr. Ulysses, and all of them, they would have also trained Haitian doctors in Haiti who have come to the United States to get trained. So this is all in all what it's about tonight. You are part of a great movement. Please support this cause. Thank you very much. Madame la Congresswoman, Monsieur le Maire, Monsieur le Recteur de l'Université Lumière, Madame, Monsieur les guest speakers, Monsieur le Président de la Mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du décanat de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Lumière, Mesdames, Messieurs les anciens professeurs de la promotion Lovinsky-Sévère, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, mes chers collègues. Il y a de cela 21 ans, la première promotion de médecin de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Lumière s'est éclos dans la douleur et dans la souffrance. Dans la douleur et dans la souffrance, parce qu'à cette époque, on a eu à se battre d'abord contre la classe médicale rétrograde qui croyait de façon illusoire que l'exercice de la profession médicale devait être réservé à un groupe restreint de privilégiés, et ensuite contre l'État, qui, au lieu de jouer son rôle de régulateur et d'accompagner les nouvelles écoles de médecine à se renforcer pour se conformer aux normes établies, préférait alimenter le jeu de la polémique public-privé, comme si ceux-là qui fréquentaient les écoles privées n'étaient pas des Haïtiens ou n'avaient aucune nécessité de se former pour devenir des professionnels avérés. Fort heureusement, nous avions su nous passer de ces vétilles et nous sommes parvenus au fil des années à intégrer tous les hauts lieux de l'exercice du métier. 21 ans depuis que beaucoup d'entre nous ne se sont jamais revus, puisque plus de 40% de la promotion a émigré dans les années qui ont suivi ici aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Et ceux-là même qui sont restés en Haïti sont éparpillés à travers le pays sans pourtant créer des occasions de se rencontrer, surtout dans ce contexte délétère d'insécurité généralisée qui frappe notre pays. Aussi, notre joie est indicible ce soir de vous voir nous rejoindre dans ce gala de retrouvailles en préparation depuis plus de 2 ans. D'abord prévu pour s'organiser en Haïti, nous avons été contraints par la force des choses
de réaliser cette activité ici en Floride en vue de permettre au plus grand nombre possible de collègues de pouvoir effectuer le déplacement. Notre joie est encore plus grande de voir ces nombreux invités, autorités étatiques, guest speakers, dirigeants de l'Université Lumière, représentants de la mission évangélique baptiste du Sud, professeurs, parents, amis, etc., nous honorer de leur auguste présence. Mais avant d'aller plus loin, permettez que je vous fasse un petit historique de la promotion. Nous sommes en octobre 1993, lorsque la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, alors dirigée par le révérend Chavannes Jeune, a pris l'initiative de créer, comme de fait a créé, l'Université Lumière dans la ville des Cayes. La demande était tellement grande que 150 étudiants ont démarré avec la faculté de médecine. Malheureusement, étant donné qu'il y a eu des carences de professeurs qu'on devait faire venir de Port-au-Prince, 2 ans plus tard, on a dû rentrer à Port-au-Prince pour éviter ces va-et-vient et pour s'assurer de la disponibilité des enseignants. Nous tenons à remercier le Collège Ruben Mac qui nous a reçus en 1995 avant que nous soyons transférés à la UPO où se trouve actuellement le rectorat de l'université et la faculté des sciences infirmières. Nous tenons donc à remercier tous les professeurs, les responsables administratifs, les dirigeants, le corps des canards, etc., pour nous avoir permis de faire la route. L'activité de ce soir revêt un double sens. D'abord, elle entend créer ce cadre convivial permettant aux anciens de la promotion Lubinski-Sévère de se régaler. Ensuite, elle vise à collecter des fonds pour le financement d'un laboratoire moderne d'anatomie et de physiologie pour la faculté de médecine de l'Université Lumière qui nous a formés. Nous sommes conscients que les conditions d'apprentissage à la faculté, même si elles ont beaucoup amélioré entre notre départ et aujourd'hui, ne sont pas totalement en harmonie à celles des autres facultés de médecine dans les pays du Nord ou avec celles des pays émergents. C'est pourquoi, sentiment d'appartenance oblige, nous voulons changer de paradigme en accompagnant notre alma mater pour qu'il se mette à la pointe de la technologie. Et à l'avant-garde d'un enseignement moderne de la médecine à travers le pays. Monsieur le responsable de la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, c'est le staff de l'Université Lumière, messieurs les membres de la promotion Lubinski-Sévère, chers invités, chers collègues et amis, en l'absence du pasteur Chavannes Jeune, qui est le recteur de l'Université Lumière, je suis contraint, comme étant vice-recteur académique, de prendre la parole dans la circonstance. Permettez que nous vous présentions d'entrée de jeu les salutations spéciales et sincères du directeur, le révérend pasteur Jeune, qui, contre son gré et pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu être avec nous ce soir du 9 juillet 2022 pour savourer cet instant exceptionnel et être partie prenante de cette cérémonie d'exaltation qui voit l'octroi de ce matériel sophistiqué à la Faculté de médecine des sciences de la santé de l'Université Lumière. Le recteur, le vice-recteur académique et leur staff
vous prie de croire en leur sentiment de profonde gratitude. En la circonstance, c'est trop peu de dire tout simplement merci. Nous voulons plutôt vous présenter nos félicitations, chers collègues, de la première promotion de l'Université Lumière pour cette initiative qui marque d'une pierre blanche l'évolution de l'Université Lumière par l'utilisation de la technologie de la numérisation qui servira de modèle et révolutionnera sans doute l'enseignement au niveau de l'institution et ailleurs par l'effet boule de neige. Tout d'abord, le système didactique sera modernisé et augmentera de façon notoire l'intelligibilité et l'optimisation de la qualité du savoir à transmettre. Les retombées positives ne se feront pas attendre sur l'assimilation des connaissances, la qualité des soins, la compétitivité à long terme, et j'en passe. Félicitations aussi d'être resté attaché et soudé à votre alma mater, vos racines professionnelles. Ce faisant, vous contribuez à l'avancement de l'éducation médicale et paramédicale, ainsi qu'à faire briller l'image projetée par votre institution en plus des bénéfices incommensurables que la population entière aura à en tirer. Pour tout cela, nous sollicitons de l'assistance ici présente, des applaudissements nourris et chaleureux à l'endroit de mes collègues de la première promotion des médecins de la faculté de médecine de l'Université Lumière, baptisée promotion Lovensky-Sévère. Merci. And as a rector of the university, he was very happy to be here to express his gratitude for those of you who are here. The doctor also mentioned the need to have up-to-date medical equipment in Haiti. And now, as you realize, physicians can practice and support one another from distance. So they plan beside the medical laboratory, there will be also other equipment that will be available so they can train, they can provide quality health care in Haiti. This is what Haiti needed: quality health care, up-to-date equipment, also trained physicians. All in all, that basically what he talks about, the need to understand what you are here tonight to contribute and support this great endeavor to build a quality medical capacity in Haiti.